tornades qui s'abattent sur la terre. Les côtes sont inondées, vagues de côtes, vagues de mer, voyage des éclairs. Le ciel parsemé comme une toile d'araignée d'éclairs. Monde brumeux d'éclairs, ciel brumeux, ciel noir, sillonné par des éclairs. Ciel bleu, ciel éclair. Monde éclair. Par les éclairs, le ciel éclair. Atmosphère noire, noire sillonnée par des éclairs. Sur la terre, que serait le monde sans éclairs? Quand le monde est noir, le monde survolé ne montre que des éclairs. Parce que le monde est noir, il faut des éclairs pour éclairer le monde. Que serait le monde sans éclairs? Des éclairs qui s'abattent sur des monuments et qui cassent les mains. Et les mains qui devaient être tendues vers ceux qui attendent, les mains tendues, ces mains sont cassées et des éclairs sont obligés d'éclairer, d'éclairer le monde. Des éclairs, ciel violacé, fier ciel bleu, éclairs qui s'abattent dans les eaux, éclairs qui s'abattent sur les airs. Volcan éclair, comme un champignon, volcan éclair, fumée d'éclair, fumée de volcan, comme un champignon. Et le monde ressemble à un terrain de ténèbres, sans éclair, que serait le monde? Avec éclair monde, le monde, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, rouge, le monde éclair. Confusion des lumières, lumière de confusion. Le monde éclair. Le monde noir, le monde ténébreux. Que serait-il sans éclairs? Des éclairs qui descendent du ciel. Si les éclairs ne descendent pas du ciel, que serait devenu le monde? Le monde. Les foudres s'abattent sur le monde. Et il faut des éclairs pour éclairer le monde. Ciel ténébreux, monde ténébreux. Il faut des ventailles d'éclairs pour éclairer le monde. Ciel bleu, ciel noir, ciel de lumière. Monde éclairé, que serait le monde sans éclairs? Monde virtuel, monde rayé, sans éclairs, que serait devenu le monde?